Et voilà, nous sommes rendus à la... On va faire une soupe repas à la truite. Pas compliqué. Pour commencer, ça nous prend 2 filets de truite. Ça nous prend du... Je vous dirais environ la valeur de 1 poivron. Moi, j'ai mis, bon, 4 couleurs différentes pour que ça soit plus beau. Mais ça pourrait être juste un piment vert ou un piment rouge, mais environ la valeur de 1 poivron. 2 échalotes vertes. 1/3 de tasse de beurre. 1/2 tasse de farine. 1/2 tasse de crème 15%. Puis 4 tasses de fumée de poisson. Et 1 branche de céleri, sel et poivre. OK, pour faire un filet. On longe l'os, la colonne. De l'autre côté. Voilà. Fait qu'on peut commencer par couper nos légumes. On coupe le céleri en petits cubes. On peut émincer aussi les échalotes. Une gousse d'ail. Ce qui va bien, c'est de prendre notre gousse et de l'écraser. Fait dans ce temps-là, elle s'épluche, je dirais, pratiquement toute seule. Petite gousse d'ail. Maintenant nos poivrons. Ceux-là, je vais les laisser en petite lanière. Seulement pour la beauté de la chose. Quand on fait des beaux plats, déjà là en partant, c'est le meilleur. On n'y a pas goûté et c'est déjà bon. OK, faites dans un petit chaudron. On fait fondre notre beurre. On peut mettre dedans nos légumes. Un peu de poivre. Le poivre qu'on a en moulin comme ça, c'est toujours meilleur. Un peu de sel. Ça va être beau, ça va faire un beau mélange, ça va être coloré.
OK. Fait qu'on laisse, je dirais, cuire à feu doux un bon 5 minutes pour que nos légumes soient tendres et encore légèrement croquants. Pendant ce temps-là, on va arranger notre truite. Fait que ça, j'avais dit deux filets. Fait que la soupe, c'est environ pour deux portions. Faut enlever la peau. OK, on coupe ça en petite lanière. On va changer ça de rond pour les besoins de la cause. OK, dans une poêle à feu doux, un petit peu d'huile. OK, quand notre truite est coupée pour faire notre soupe à la truite, notre poêle est chaude, on fait cuire notre truite. Toujours à feu doux. Sel et poivre. Faut que notre truite soit cuite, mais faut pas exagérer la cuisson non plus. Sinon, ça devient sec. Puis tout à l'heure, on va la remettre dans notre soupe, fait qu'elle va cuire encore. On met de côté, elle est assez cuite. Là, on revient avec nos petits légumes. On ajoute notre demi-tasse de farine. On mélange tout ça ensemble. On laisse cuire environ 2 minutes. Parce qu'il faut que notre farine cuise aussi un peu. Parce que si on ne laisse pas cuire la farine, puis qu'on met notre bouillon tout de suite, il y a des chances que notre soupe goûte la farine. Fait qu'on laisse cuire environ 2 minutes. On brosse aussi assez souvent pour que ça colle. Et après nos 2-3 minutes de cuisson, bien, on peut ajouter notre fumet de poisson.
Fait que j'avais dit 4 tasses de fumée de poisson. On ajoute ça. OK. Là, on fait chauffer en brassant régulièrement jusqu'à temps que notre mélange bouillonne et qu'il soit assez chaud. Je dirais environ 5 à 8 minutes. OK, là, on voit que notre soupe bouillonne. La consistance est juste bien. On ferme le feu. On peut ajouter notre crème. On mélange comme il faut. Sur le dessus. Petite branche d'aneth pour décorer. Et un peu de persil. Ça fait une excellente soupe repas. Voilà.